Comment tu es arrivé ici? Comment tu es venu ici? Qui t'a envoyé? C'est pourquoi? De quoi? Et donc tu es sorcière. Tu reconnais. Et qui t'a donné la sorcellerie? Je m'arrête là, tu parles, puis j'entends. Qui t'a donné la sorcellerie? Je n'entends pas. Qui t'a donné? C'est mon grand frère. Le nom de ton frère qui t'a donné la sorcellerie? Il s'appelle Bébéto. Comment? Bébéto. Comment il t'a donné la sorcellerie? J'étais sortie à midi. Hein? En mangeant, j'étais sortie. Et puis lui, il était assis. Et puis quand je suis venue, on a commencé à manger. Il a remplacé la viande par une chair de l'homme. Et puis quand j'ai mangé, quand j'ai failli se coucher, j'ai vu des esprits de mort. Quand tu dis l'esprit de mort, ça veut dire quoi? Quand tu as mangé, tu te retrouves dans un autre monde. C'est ça? Et qui s'est passé? Ils m'ont proposé de tuer. Mais j'ai refusé. Et là, tu manges. Parce que le fait de manger la chair humaine, que tu t'es retrouvé de l'autre côté, ça veut dire déjà, on a préparé ton esprit. Comme tu as mangé, tu pars maintenant dans l'autre monde pour l'initiation. Donc on t'a fait asseoir, c'est pas ça? Hein? C'est quoi? Un trône, voilà. Et qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Quand t'as fait asseoir sur le trône, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont donné du sang et de la chair, c'est ça? C'est comme ça l'initiation se fait. Oh! Oh! C'est comme ça l'initiation. Je suis en train d'écrire un livre. C'est comme ça l'initiation de la sorcellerie se fait. Ils t'ont donné le sang et la chair, c'est ça? Et tu as mangé, tu as bu le sang. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ils m'ont demandé de tuer ma mère. Et puis t'as dit quoi? J'ai dit non. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui t'a donné? Personne. Non, c'est pas possible. Elle est venue avec qui? Qui devant moi? Hé, quitte. Qui d'autre? Qui veut parler? Je ne pose personne. Elle veut parler? Qui? Qui veut parler? Non, pas. Tu as, oui? Oh! Je vous envoie les enfants si vous pouvez délivrer de la sorcellerie. Vous ne voulez pas qu'ils m'amènent. Je ne suis pas au stade de parler à la place de quelqu'un. Là où tu es arrivé, là, je ne suis pas pour parler à la place de quelqu'un. Petit, viens. Celui qui ne veut pas parler, encore, il s'assoit. Oh, celui qui ne veut pas parler, allez, il s'assoit. Tu es sorcier? Comment tu t'appelles? Quittez devant moi. Mettez-vous là-bas. Comment tu t'appelles? Hein? Qui t'a donné la sorcellerie? Ta grand-mère. Comment elle t'a donné? J'entends pas bien. Il dormait bien ma donnée. Il dit quoi? Il dormait bien ma donnée. Il dormait ta donnée. Comment t'as donné ça? Hein? Oui, comment? Elle m'a donné la sorcière. Quoi? Sorcière. Comment elle t'a donné en songe? Elle a donné ta donnée. Hein? Elle m'a donné ta donnée. Mais comment tu as su que tu es sorcière? Comment? Hein? C'est ma grand-mère. Elle t'a donné quoi? Elle t'a donné quoi? Elle t'a donné bien, tu as mangé. Et tu es devenu sorcier. Comment? Comment tu as su que tu es sorcier? Hein? Oui, tu as tué qui? Tu as tué la petite de ta maman. Comment? Elle est partie où? Elle est partie où? Elle est assise sur le WC. Hein? Elle est assise sur le WC. Et toi, t'as fait quoi? Hein? Elle est transformée en chauve-souris. Tu t'es transformée en chauve-souris. Comment tu t'es transformée? Tu as dit, tanti, ton âme appartient, tu as pris son âme. Comment tu as fait? Tu as donné ta main comme ça. Tu as dit quoi? Tu as pris son âme. Tu es parti où est ça? Hein? Oui, qu'est-ce que ça fait là-bas? Quand tu dis mon spirit, tu es un enfant. Hein? Tu as quel âge? Oui. Quand tu es allé dans le monde spirituel, qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
groupe, on a mangé. Vous êtes un groupe. Vous êtes combien là-bas? On est. Il y a moi, il y a ma grand-mère, il y a mon grand-père, et puis il y a mon petit frère qui est en France, et puis il y a mes grands soeurs. Et eux, ils ont mangé. T'as dit qu'il y a là-bas? Là-bas, ils me donnent les sous. Tu dis pas aussi? Les sous. Tu dis aussi? Eux m'envoient pour dire. Hein? Eux m'envoient pour dire d'aller tuer là. Je dis mon papa, je suis tout moi. Quand on t'envoie parler tuer, tu dis quoi? Je dis. Tu refuses. Et puis on fait quoi? Tu as tué combien? 10 personnes. 4 personnes. Comment tu les as tuées? Flèche. L'autre, tu as pris sur souris, tu tombes sur souris. Tu as gâté qui? J'ai gâté la vie de maman. Ta maman? Où elle est? C'est là. Tu as gâté quoi en elle? Hein? Quand la fin du mari. Quand la fin du mari, oui. Tout prends son arrière, regarde la fin. Son arrière, tu fais quoi? Tout son arrière va dans le médicament. Hein, la fin. Comment tu t'arrases? Ta grand-mère vient te dire arrête pour pas la haine, ta maman va rester. Mm. Et toi tu viens garder la haine ta maman. C'est pas ta maman. Ça n'a pas l'argent, toi tu as fait quoi? Voilà l'école. Et puis toi tu gardes l'argent. Quand ta grand-mère te dit ça, tu ne peux pas dire à ta grand-mère non. Tu as gardé son argent. Tu as fait quoi? Tu as gardé son travail. Tu as gardé quoi encore? Tu n'as pas programmé. Il a programmé pour descendre. Hein? Il a programmé pour descendre. Pour descendre. Avec les gens, elles vont la manger. On va te manger. Et tu as gardé qui? Le gâteau, le travail de mon papa. Hein? Le gâteau, le travail de mon papa. T'as fait quoi? Le gâteau, le travail de mon papa. T'as gâteau, le travail de mon papa. Comment? Il travaille. Où est les enfants? Maintenant, là, c'est les enfants qu'on mène dans la société. Ah non, c'est un enfant. Il va se manger. T'as gâteau, le travail de mon papa, comment? Par enfant, quand on dit, moi, je vais vous donner le thème de mon papa. Le bâtir. Hein? T'as fait quelle pratique? C'est ma grand-mère qui m'a dit que c'est ta grand-mère. Et quand ta grand-mère dit là, toi tu dis pas non? Tu dis pas non? Vous allez manger à décembre? Donc tu l'as attaché. Vous l'avez attaché. Tu descends. Tu vas la manger. Ta propre maman. Vous allez d'aller attacher ta maman et tu dis rien. Qui va parler parmi vous? Hein? Vous êtes sorti? Non. T'as déjà parlé là, hey. C'est moi qui décide. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Qui veut parler? Toi? Toi? Allez vous asseoir. Toi, tu veux parler?
Qui t'a fait venir ici? Ta maman est où? C'est où t'as fait venir ici? Elle est venue demain. Elle connaît ici. Comment tu l'as ici? Vous l'avez envoyé pourquoi ici? Elle a quoi? Est-ce que c'est une sorcière? C'est toi qui dis ou bien? Oh, ici, donne-moi la caméra ici. C'est là-bas. Vous êtes sorcière? Vous reconnaissez la sorcellerie? Vous voulez être devenu de la sorcellerie? Qui vous a donné la sorcellerie? Mon papa. Son papa, comment il s'appelle? Jorou. Hein? Jorou. Comment il t'a donné la sorcellerie? Hein? À midi, moi aussi, ma grande sœur qui s'est arrêtée, c'est la terre du fou. J'ai mal à la ville, il n'y a pas de poisson, c'est le terre. Il y avait poisson. Et puis, ça, il y a un partage de poisson. Je me suis mangé ça, ça s'est envolé. Et quand vous avez mangé le poisson, la viande, là, vous êtes envolé. Comment? Tu es oiseau maintenant. Tu t'es envolé comment? Hein? Tu t'es envolé en oiseau. Comment? La nuit dans la journée. Et tu es allé où? Dans les camps. Les camps là, c'est où? C'est où? Et vous avez mangé? Quoi? Ok, on va se tenir debout. On va. Vous prenez le nom de tous ceux-là. On va faire les aveux demain. Prenez le nom de tout le monde. Tenez-vous debout. Nous allons prier. Je vais recevoir quelques personnes. Madame, on ne parle pas la place d'un sorcier. Hein? On ne parle pas la place de quelqu'un. Vous avez compris? Et vous ne voulez pas nous obliger, vous n'allez pas obliger quelqu'un. Ils sont libres de parler. Sinon, moi, je peux dire, voilà, j'ai des sorciers. Ici, là, quand on vient, on est libre de parler. On ne force personne. Vous avez compris? On ne peut pas forcer les gens. Tout compte fait, quand le sorcier qui est ici, là, quand il va à la maison, là, s'il a trop duré, c'est 3 mois. Mets la main sur ta tête, tu vas commencer à prier. Nous sommes en fin d'année. Je voulais que nous traversions cette année 2014. Amen. Nous allons ensemble prier et demander au Seigneur de nous donner la victoire sur les œufs de la sorcellerie. Prions ensemble le Seigneur. Amen. Amen. Demain, c'est jeudi, nous avons ce qu'on appelle le temps des miracles. Amen. Nous avons demain une rencontre à partir du temps des miracles à partir de 10h. Nous avons une rencontre demain à 10h. À partir de 9h, j'aurai un temps de réception à partir de 9h. Maintenant, à partir de 10h, nous aurons, n'est-ce pas, un programme de délivrance. Mais déjà, à partir de 5h du matin, je serai ici avec vous pour des moments de délivrance. Et les gens en profiter pour recevoir certaines personnes. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous fortifie. Amen. Nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. Et c'est pour cela que je suis vraiment dans le secret en train de prier. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. La sécurité va faire